Lorsque la guerre éclate, Heinrich Böll a 21 ans. C'est le huitième enfant d'un ébéniste de Cologne. Il a grandi dans un milieu catholique, anti-nazi, et il a pu, malgré les pressions, échapper aux jeunesses hitlériennes. En novembre 1938, il est enrôlé dans le service du travail du Reich, une organisation nationale socialiste destinée aux jeunes entre 18 et 25 ans précédant le service militaire. Durant 6 mois, Böll effectue des travaux de drainage et de défrichage en SE dans une atmosphère quasi concentrationnaire qui achève de le rendre viscéralement antimilitariste. Au printemps 1939, il s'inscrit en philologie et germanistique à l'université de Cologne. Il écrit son premier roman avant d'être appelé sous les drapeaux le 5 août 1939. Pour l'armée allemande, c'est le temps des victoires. Pologne, Danemark, Pays-Bas, Belgique et France sont soumis en moins d'un an. La Wehrmacht fait alors figure de première armée du monde. Heinrich Böll, quant à lui, reste à l'écart de ses conquêtes fulgurantes. Ballotté dans plusieurs garnisons allemandes, il ne connaît que l'ennui des casernes, la solitude dans un univers qu'il déteste. Son seul réconfort est la proximité des siens, et notamment celle d'Anne-Marie Seck, une amie de sa sœur qui deviendra sa femme en 1942. Le 29 juillet 1940, le bataillon de Böll rejoint une division d'infanterie dans la Somme. Le 4 août 1940, dans les Flandres. Bien chers tous, on a traversé l'Allemagne, la Hollande et maintenant la Belgique, puis on entrera en France. On vient de boucler 60 heures de voyage. Qui sait combien de temps cela va encore durer ? Hier, par un samedi après-midi incroyablement agréable, nous avons traversé la Hollande. Des couples amoureux se promenaient dans des parcs fabuleux. Ils étaient assis partout dans les jardins d'hiver et nous regardaient méchamment. Beaucoup faisaient des mouvements de natation suivis d'un geste signifiant le naufrage, tout en ricanant. Quant à nous, l'amertume nous envahissait à la vue de cette vie merveilleuse. Vers le soir, nous sommes passés par Rotterdam. Les destructions sont vraiment horribles. De la pure folie. Je dois malheureusement me dépêcher pour ne pas rater le départ du courrier. Ici, en Belgique, nous nous approchons de Courtrai. Notre destination est vraisemblablement Abbeville. Je vous embrasse tous, ainsi que les amis, votre fils et frère, Heinrich. Le 5 août 40, en France. Bien chers tous, notre voyage devient une gigantesque épreuve. La chaleur est insupportable. Au point où j'en suis, après 85 heures de voyage, je donnerais 10 marks pour un bon bain revigorant. Depuis 7 heures du matin, nous stationnons dans une gare française coincée entre deux trains de munitions. Nous nous sommes un peu abrutis avec un bon vin rouge, 15 pfennig le litre. Ah, lire dans un petit souffle d'air léger, une bouteille d'eau à côté de soi, allongée dans une prairie d'herbes fraîches. Mais ça serait là un plaisir de jeune Dieu. Mais c'est la guerre. Bien chaleureusement, à bientôt, votre Heinrich.
7 août 1940 à Fricourt, dans la Somme. Chers parents, chers frères et sœurs, après un voyage de 115 heures, nous sommes arrivés hier dans notre lieu de destination provisoire. Partant d'une petite ville française, Albert, dans la Somme, nous avons encore marché à peu près 10 km sous un soleil de plomb vers un petit village avec ce maudit barda sur le dos. Le village est encore presque désert. Seule une petite partie des habitants est rentrée. Les gens sont tout à fait aimables, mais très conscients de leur dignité. On ne voit que des femmes, des enfants et des hommes très âgés qui continuent tant bien que mal à faire marcher la ferme. Je me débrouille très correctement avec mon français scolaire. Hier et ce matin, je suis allé acheter du lait, du beurre et des œufs. Quand on essaye d'exprimer aux femmes un peu de compassion, elles hochent de la tête, résignées, et disent « C'est la guerre, la deuxième guerre dans notre pays ». C'est vraiment incroyable tout ce que nous avons vu comme destruction et dévastation durant les quelques heures de route que nous avons faites de jour. Les gares offrent toutes un aspect de destruction effrayant. Tout cela paraît d'autant plus horrible que la campagne française resplendit de fertilité. Mais au total, les bâtiments détruits le long de la voie ferrée ne représentent pas grand-chose. Comparé à ce que nous avons vu et deviné dans la semi-obscurité de Rotterdam. C'était vraiment l'enfer. On voyait encore vaciller quelques lumières ici ou là, dans les caves des maisons détruites, et des ombres de gens cherchant quelque chose. Il n'y a rien de plus horrible que la guerre. Vraiment. Nous avons été relativement chanceux ici avec notre cantonnement. Nous sommes à trois dans une petite chambre de jeune fille d'une ferme française abandonnée. Il n'y a plus de meubles, mais dans un coin est entassé tout un fatras qui révèle l'usage qu'on faisait de la pièce. Une corbeille à ouvrage, quelques éventails et de vieilles poupées, des romans de Paul Bourget, un vieux corset. Toutes sortes de lettres adressées à une mademoiselle et des cartes de visite. Maintenant, nous attendons d'être dissous et répartis dans les divisions qui nous ont réclamées. J'ai déjà fini d'emballer la demi-livre de café pour mère. Je ne pourrai l'expédier que lorsqu'on nous aura affectés à notre troupe, mais c'en est sans doute fini des rêves de café. Il n'y a plus rien par ici. Par chance, j'ai pu me procurer celui-ci en Belgique. Je vous embrasse très fort, votre Heinrich. Le 27 août 1940, Heinrich Böll présente des symptômes de dysenterie, se manifestant par des nausées, des vomissements et des accès de fièvre. Il est alors hospitalisé. 4 septembre 1940, hôpital d'Amiens à Dury dans la Somme. Chers parents, chers frères et sœurs, je devrais sans doute rester ici encore 8 à 10 jours, après quoi j'espère pouvoir me sauver avec une permission et jouir de quelques belles journées à la maison. J'espère avoir bientôt l'autorisation de me rendre une fois à Amiens. La ville, c'est connu, après avoir été sommée 2 fois de se rendre, a été terriblement bombardée. Il n'en reste pas grand-chose. Il paraît que 20 000 personnes y sont mortes. Les boutiques maintenant sont vidées par les soldats.
qui évidemment achète surtout ce qui est devenu introuvable en Allemagne. Mais j'ai du mal à me décider à faire des provisions. J'ai l'impression, même si on paye tout, de détrousser des cadavres. La seule chose que je lorgne toujours, c'est le café, devenu introuvable. Septembre 40, hôpital d'Amiens. Cet après-midi, j'ai passé plusieurs heures à Amiens. Les destructions y sont véritablement effrayantes. La cathédrale a été entièrement épargnée, mais 10 mètres plus loin, il ne reste pas une seule maison. J'ai flâné longtemps dans la vieille ville et les bras chargés de petits gâteaux, j'ai joué à l'ami des petits en les distribuant à des enfants français aussi sales que charmants. La cathédrale est fabuleuse, vraiment. Vu de l'extérieur, celle de Cologne est un tas de merde à côté. La seule chose que j'ai ardemment cherchée ensuite, c'est une bonne librairie, mais en vain. Dans une papeterie, j'ai trouvé quelques cartes postales assez jolies. Je vous joins les plus belles. Je vous embrasse très fort. Portez-vous bien. Votre Heinrich. Le 28 septembre 1940, Heinrich Böll rentre pour une permission de convalescence. Tant que subsiste un risque de contagion, il ne peut rejoindre l'armée active. Pendant 1 an et demi, il mène une vie de caserne à Cologne et dans les environs. Ses tâches sont souvent triviales. Il épluche les pommes de terre. Il balaie les rues ou même à Mülheim, il rebouche les trous dans le gazon de l'hippodrome. Lors de ses permissions, il se rapproche de plus en plus d'Anne-Marie Seck, de 7 ans son aînée. Et à partir de la fin 1940, la plupart de ses lettres lui sont adressées. En décembre 1941, Böll est de nouveau envoyé en France. 30 décembre 1941, dans le train. Notre wagon est chauffé. On est 2 par compartiment. Chacun avec une banquette rembourrée sur laquelle on peut merveilleusement dormir. Nous venons de passer à Namur et traversons la belle vallée de la Meuse. Les sombres forêts sur les hauteurs sont couvertes de brouillard, bien qu'il ne soit que 4 heures de l'après-midi. Bientôt, dans 2 heures, il fera nuit. Comme souvent tout au long de ce voyage, je suis pris d'un sentiment d'isolement total et d'abandon, et je voudrais disparaître dans un abîme de tristesse et de désespoir, mais je pense à toi, je pense à toi, je pense à toi. Chaque fois que nous nous arrêtons, notre wagon est entouré d'enfants mendiant du pain, des femmes aussi, pauvrement vêtues, maigres, avec des visages amers. Elles se tiennent sur le chemin et nous montrent leurs sacs. Un garçon a bondi par-dessus un mur et a sauté à notre fenêtre pour nous tendre une feuille de papier sur laquelle on pouvait lire « pain » dans une fine écriture de femme française. Le visage pâle et implorant de cet enfant sourd-muet s'accrochait à moi, comme à une toute dernière chance. Et je me demande qui, du ciel ou de la terre, avait bien pu détruire en lui tout espoir. Le 31 décembre 1941. Il est 10h30 du matin et nous venons de prendre notre petit déjeuner. Cela fait maintenant 10h que nous sommes en France. Cette nuit, vers 11h30, je suis allé dans le compartiment du chef de train pour lui demander où nous étions. Mais quand j'ai vu son profil dans l'obscurité, un profil aigu avec une moustache de sergent français, j'ai su à quoi m'en tenir. J'ai quand même posé ma question et il m'a répondu dans un pathos étrangement solennel « Oui, monsieur, France déjà !» Nous voilà maintenant bloqués dans une gare de marchandises au milieu de la grande forêt de Compiègne. Pour la première fois, je me suis lavé et rasé dans l'eau glaciale et merveilleuse d'un puits, et je me sens joyeux.
et heureux. Nous fêtons la Saint-Sylvestre dans un café français où je soutire à la patronne une bouteille de cognac avec devant nous un long voyage dans un train sans chauffage. Nous sommes des barbares, des enfants. Nous goûtons beaucoup trop à ces liqueurs et à ces vins français comme des enfants à Noël et nous en devenons malades. Des barbares, oui, des enfants. Voilà ce que nous sommes. Le 1er janvier 42 au Mans. Peux-tu imaginer un dimanche après-midi dans une ville française ? Vers midi, après notre premier repas chaud depuis 3 jours, nous errons dans la ville, lentement et sans but. Les rues sont si vides, seuls les coqs chantent, tout le reste est silencieux. Je pense à Madame Bovary. C'est l'atmosphère dans laquelle elle est née. Et subitement, au milieu de ce quartier bourgeois étrange et tranquille, un couple superbe vient à notre rencontre. Un grand homme maigre avec un beau visage aux traits marqués, vêtu d'une épaisse peau de mouton grise qui lui descend jusqu'aux pieds. Et sa femme, petite et frêle, avec de beaux traits nobles, enveloppée d'une fourrure semblable. Il porte sur l'épaule des filets à poissons et des cannes à pêche. Et la fraîcheur sobre qui se dégage de leur activité allège l'atmosphère lourde et mélancolique de cet après-midi français. Au pied du monument aux morts se tient un vieux vétéran qui, étonnamment, nous salue. Nous le saluons en retour et il nous arrête. Un vieux visage marqué. Le mégot de cigarette entre les dents, les cheveux blancs dépassant de la casquette, les yeux si infiniment tristes que je pourrais pleurer. Il dit d'une voix tremblante : Vous avez la victoire dans vos genoux et vos yeux. La France est morte. Le 2 janvier 42. Paris. Paris. Nous avons travaillé dur pour pouvoir nous libérer et passer ne serait-ce qu'une après-midi à Paris. Debout à 6 heures, puis 6 heures de train omnibus jusqu'ici et maintenant nous foulons les trottoirs de la ville. Le soir, tout est beau, étranger, grand, triste et solennel. Je ne peux pas écrire beaucoup. Je suis si fatigué. C'était si épuisant. Nous avons à peine dormi et rien mangé. Nous sommes vraiment des barbares, dénués de raison, et mes pieds sont un véritable supplice vivant. Nous venons pour finir d'aller à Notre-Dame. C'est la plus belle de toutes les cathédrales gothiques françaises que j'ai jamais vue jusqu'ici. Paris est si infiniment beau que c'est presque cruel de le survoler ainsi en quelques heures. Ces boulevards sont comme les poèmes de Verlaine. Et la Seine est si merveilleuse, comme une reine. Un fleuve vert et tendre entre ses bâtiments grisâtres, baigné d'un brouillard blanc avec de frêles arbres noirs sur ses rives. Combien de visages diaboliques et combien de visages divins entrevus en une heure. Des visages disciplinés de mendiants et les figures grotesques de la racaille parvenue. Je crois vraiment qu'en matière d'humanité, Paris atteint les sommets les plus élevés et les abîmes les plus profonds. Avoir vécu tout cela en 4 heures.
En ce printemps 1942, la situation militaire n'est plus à l'euphorie comme elle l'a été en 1940. À l'est, les blindés de la Wehrmacht s'enlisent en territoire soviétique et la promesse d'une victoire rapide s'éloigne de plus en plus. L'offensive d'hiver a été désastreuse pour l'armée allemande, bloquée aux portes de Moscou. Böll, s'il souhaite toujours la victoire de son pays, craint, comme de nombreux soldats, d'être envoyé sur le front russe. Son affectation dans la France occupée est pour lui un réel soulagement, même si les bombardements alliés sur Cologne au mois de mai 1942 lui causent de grandes inquiétudes et lui donnent le sentiment que sa famille est plus exposée que lui. Essentiellement stationné sur la Manche à l'été et à l'automne 1942, dans la région du Cap Griné, le caporal Böll fait connaissance avec la vraie guerre. D'un bunker à l'autre, il est souvent témoin de combats aériens entre la Luftwaffe et la Royal Air Force. Pourtant, c'est une période relativement heureuse pour lui. Il écrit presque tous les jours à Anne-Marie, parfois plusieurs lettres par jour sans même attendre la réponse, ce qui confère à sa correspondance un ton de journal intime. Le plaisir d'écrire et de décrire est perceptible dans ses lettres de France qui prennent parfois un style très littéraire et donnent un avant-goût de ses premiers romans d'après-guerre. Le 20 mai 1942, à Bienque. Finalement, on a quand même reçu du courrier aujourd'hui. Quelle joie inouïe! Deux petits paquets et deux lettres de toi. Je suis assis dans la cuisine de mes hôtes, une famille de cordonniers très pauvres mais gentilles. Et j'envisage de leur rendre secrètement un service quelconque en échange de toute cette électricité que je leur coûte. Les gens sont très aimables avec nous. Un jeune fils a pu rester à la maison, ayant échappé de justesse à la captivité. C'est un gamin très très blond qui me prête de temps à autre sa bicyclette. Les deux fils aînés sont prisonniers ainsi que leur gendre. La fille, avec sa fillette toute blonde, vit aussi avec eux. Chaque jour, la vieille femme, un peu maigre, me demande quand la guerre va se terminer. Et je ne peux rien faire d'autre que de lui répondre en plaisantant. Dans 4 ans ? Alors elle joint les mains au-dessus de sa tête. Elle me traite de barbare et me tend mon café en souriant. Cela se reproduit chaque matin. C'est en quelque sorte notre cérémonial pour nous dire bonjour. Le 9 juin 1942 à Bienque. Ici, c'est toujours très agité dans le ciel. Hier midi, nous avons pu observer la chute d'un avion, un Allemand. On pouvait bien voir le parachute blanc se détacher de l'avion et descendre lentement. Des tirs, des rafales de mitrailleuses aussi, que nous entendons souvent de loin. Alors, je me rends subitement compte que nous sommes plongés dans une guerre très dure et peut-être longue. C'est étrange, mais plus le temps passe, plus il me semble que l'anglais est en fait très fort et très tenace, qu'il sera très, très difficile de vaincre et que la guerre ne se terminera que lorsqu'un des deux sera complètement écrasé. Combien de temps cela peut-il encore durer ? Le 18 juillet 1942, au Cap Griné. Je rentre à l'instant trempé de mon voyage à Calais. Nous avons dû faire les 15 derniers kilomètres à pied à travers une pluie battante et une tempête sauvage. Je suis tellement fatigué. Mes pieds me font mal et je suis horriblement sale. D'habitude, j'éprouve toujours un grand plaisir à me laver soigneusement, à me raser et ensuite à t'écrire une lettre paisiblement au calme, tout propre. Mais aujourd'hui, je suis trempé, frigorifié, fatigué et triste.
Je suis triste à cause de cette misère immense et absurde qu'est la guerre qui nous use et qui nous détruit tous. J'ai les nerfs complètement à plat, au point qu'il m'arrive d'oublier des choses qu'on m'a dites une minute plus tôt. Ce métier de soldat, mais je le déteste, mais au-delà de toute expression. Le 19 juillet 42, au Cap Grinet. Quand je rentrerai de la guerre, tu devras au début avoir beaucoup de patience avec moi. Je serai compliqué, paresseux, instable. J'aurai bien du mal à comprendre l'utilité du travail. Vois-tu, il est si difficile de retrouver un sens à tout ce que les forces humaines peuvent construire sur cette terre quand on voit à quelle vitesse tout peut être définitivement détruit. Combien de ferveurs profondes et réellement précieuses est anéantie lorsqu'une maison est réduite à l'état de ruine par une bombe ? Combien de lettres perdues ? Combien de livres ? Le 9 août 42, au Cap Grinet. Ce matin, une grande surprise m'attendait quand je suis sorti à midi de mon bunker, abruti de sommeil. La mer magnifique, à marée haute, les grandes vagues couronnées d'écume blanche sous un soleil superbe. Mais le plus extraordinaire, une femme se baignait dans notre petite baie des sirènes. Une femme. Avec des cheveux plus longs que des allumettes, un maillot de bain sombre, et on voyait de loin qu'elle souriait. Oui, elle souriait. C'était sûrement une des concubines des aviateurs qui ont un poste de garde en bas sur la baie, mais tu n'imagines pas l'effet que cela fait ici. De voir une femme dans la mer, entre barbelés et champs de mines. Là où depuis des semaines, on ne voit que des uniformes. Hélas, tout était peut-être artificiel chez elle. Le rouge de ses lèvres, la blancheur de sa peau. Et son cœur était à coup sûr aussi trompeur et noir que la nuit. Mais elle souriait vraiment dans le jeu du soleil et des vagues. Et ses cheveux, plus long que des allumettes, était sûrement authentique. Noël 42 à l'ouest. Je dois malheureusement écouter le discours de monsieur le ministre du Reich, le docteur Goebbels. Bon, ben ça va passer vite. Mais c'est bien le plus grand crime qu'on puisse commettre envers les soldats morts au combat. Le plus grand crime, mais ce sont ces phrases creuses, ces discours visqueux. Mais quelle horreur d'entendre des vers de Hölderlin, de la bouche de cet homme. Où donc va l'Allemagne ? Cette Allemagne qui est pourtant grande, bonne et noble. Pourquoi tant de mensonges et de bavardages ? C'est effrayant. Tout serait tellement plus facile pour nous si on nous disait la vérité. La rude vérité. Mais cet affreux baratin douceâtre, c'est une effronterie sans nom. Mais vraiment, le pire, ce sont ces phrases creuses. « 29 janvier 43, à l'ouest. » Vraiment, ce qui s'est passé à Stalingrad est affreusement triste. Cela doit être épouvantable de voir durant des jours et des semaines venir vers soi une mort certaine, comme une bête qui s'approche toujours plus grande et plus effrayante. Je me sens assez minable avec mon corps continuellement malade et mon âme fragile, et j'ai réellement honte d'entrer demain pour plusieurs jours à l'hôpital à cause de quelques maux de tête. Dieu fasse que cette guerre insensée se termine et que l'Allemagne en sorte victorieuse. Les Français ont imaginé une nouvelle vacherie
qui, lorsque je l'ai vu pour la première fois, m'a atteint comme un coup de massue. L'effet est foudroyant. Ils inscrivent tout simplement 1918 sur les murs. Ces quatre chiffres, sans aucun commentaire. Un simple nombre, mais ô combien déprimant. Non, je ne pense pas qu'il y aura un autre 1918, sûrement pas. Si cela tourne mal pour nous, ce sera sous une autre forme. L'Allemagne ne mourra jamais. Même si nous perdons la guerre, de cela nous pouvons être certains. Je n'ai pas changé. Je déteste plus que toute autre chose au monde le dressage dégradant à la prussienne. Mais je voudrais que l'Allemagne gagne. Peut-être que ce n'est pas logique. Mais l'amour et la haine sont toujours illogiques. Et c'est aussi bien ainsi. Nous sommes tous emportés par notre destin comme par un attelage dont nous tenons malgré tout les rênes. Le plaisir et la conscience d'être à la fois guide et guidé nous procurent une joie identique. Dieu nous montre la route, la grande route, avec toutes ses horreurs et ses beautés. La route. Le 7 avril 43, au Tréport. Aujourd'hui, j'ai eu à m'occuper d'une affaire vraiment horrible. Je devais aller chercher du mobilier dans les nombreuses vieilles maisons qui bordent la plage, des maisons à l'abandon depuis déjà 3 ans. Dans la plupart, on ne trouve plus un seul morceau de bois, plus un appareil utilisable. Mais c'est fou à quel point la guerre agit ici avec la force d'une catastrophe naturelle. De très vieilles casseroles, de la vaisselle brisée, des débris et de la saleté entassés dans les coins ou dispersés à l'aveugle, de la folie pure. Et pourtant, cela avait quelque chose d'exaltant. Dans un grenier, j'ai trouvé une bibliothèque complètement vandalisée, souillée, déchirée, éparpillée et piétinée. Un spectacle affreux que la vue de ces livres malmenés dans ces maisons qui ressemblent à des tombes murées du côté de la mer. Le mugissement des vagues qui déferlent a quelque chose de sinistre avec le peu de lumière qui filtre à travers les meurtrières. Même les souris et les rats semblent avoir fui ces lieux. Le 17 avril 43 au Tréport. Je constate avec effroi que j'ai quitté le lycée il y a 6 ans. Une éternité. Aujourd'hui, ce serait justement un temps idéal pour sécher les cours. Une chose est sûre, il y a 6 ou 7 ans, à cette heure-ci, je ne serais pas allé au lycée. Les Français ont un joli mot pour sécher l'école. Ils disent « faire l'école buissonnière ». Une expression merveilleuse. De fait, c'est aujourd'hui un temps à sécher la classe, bleu et rayonnant, avec cet air frais et doux, mais tellement excitant. Il me prend soudain une envie folle de jeter mon uniforme dans la manche. J'ai commencé ma lettre ce matin à 9h, et maintenant, à 5h de l'après-midi, je n'ai pas beaucoup avancé. Comme tu vois, je n'ai même pas le temps de goûter jusqu'au bout ce rêve d'école buissonnière. Du 26 juin au 11 juillet 43, Heinrich Böll est en permission à Cologne. Il échappe de peu au bombardement de la ville dans la nuit du 29 au 30 juin. Ses parents, dont la maison a été bombardée le 31 mai, se sont réfugiés avec Anne-Marie dans un hôtel à Hardweiler, en 50 km au sud de la ville. Entre-temps, sa compagnie a quitté Tully pour la Molière d'Aval.
dans la région de Saint-Valery-sur-Somme. Sur le chemin du retour, il traverse à pied Cailleux-sur-Mer et Brighton, avant de rejoindre sa troupe. Nouveau décor semblable à celui qu'il avait connu au Cap Grinet à l'été 42. Des bunkers en bord de mer. 15 août 43, à la Molière d'Aval. Hier, j'ai eu une violente dispute avec un de nos sous-officiers les plus bornés, un fils de paysan de Westphalie qui rentrait d'un long congé de 4 semaines pour les moissons. Mais c'est vraiment un cas d'une rare stupidité de l'espèce des sous-officiers prussiens. J'aurais dû être assez intelligent pour ne pas m'embarquer dans une discussion avec lui, car c'est une vérité bien attristante qui ne peut pas puer plus fort qu'un tas de fumier. Quoi qu'il en soit, il m'a interrogé sur la situation à Cologne, alors que je lui ai brossé en quelques traits bien trop faibles le triste aspect de cette ville. Sur quoi, il m'a répondu froidement que tout cela, au fond, n'était pas si grave. Que la seule chose qui comptait était de gagner la guerre. Mais que faire contre tant de bêtises? Je te le demande. Bien sûr, il est important de gagner la guerre, mais ce n'est tout de même pas une réponse à l'immense misère subie par des centaines de milliers de personnes. Cela m'a évidemment énervé et je lui ai répondu avec véhémence. Puis tout a dégénéré en hurlements sauvages, excités encore par l'irritabilité que me causent ces travaux ridicules d'implantation de barbelés. Si tu savais, mais comme il est lamentable d'avoir à se battre contre une telle racaille, tu aurais dû voir ce bouseux dégoûtant et effronté. Mais tu n'as pas idée du niveau lamentable où se meut la moyenne des hommes. Sans parler des gens cultivés. août 43, à la Molière d'Aval. Dimanche, j'ai été au café du village et j'ai encore bu un bon coup qui s'est avéré par la suite un peu exagéré. Bon sang, mais il y avait une ambiance dingue là-dedans. Toute la jeunesse du coin s'était donné rendez-vous et dansait, mais dansait tellement que l'air en était rempli de poussière et que la sueur coulait à grosses gouttes. C'était vraiment intéressant de voir tous ces jouvenceaux pommadés et les filles de la plus timide à la prima donna langoureuse. Il y avait aussi de véritables gamins, entre 5 et 12 ans, qui couraient partout, ouvraient avec beaucoup de manières leurs bouteilles de mousseux, le versant dans des verres comme des maîtres, et qui savaient boire le cognac avec dignité. Mais un spectacle incroyable que ces mômes de 12 ans, avec leur horrible visage de vieillard, buvant de l'alcool et fumant des cigarettes. La jeunesse plus mûre dansait au milieu de la petite salle, dans un tourbillon sauvage de poussière et de sueur. La patronne, une espèce de sorcière blonde, jolie et froide. Le patron, d'un type de zigane passionné, grattait sa guitare de rythmes entraînants. Tu sais, ça m'a rappelé la fête foraine à Arweiler. Oui, ce jour où nous avions payé pour une attraction qui nous avait en fait mis à la torture. J'étais tellement étonné et amusé par le piétinement de ses pas pesants et par ses bousculades que j'ai bu trop vite trop de vin. Sans doute aussi pour rincer toute cette poussière. Ne sois pas triste. Je chancelais juste un peu en rentrant, voilà tout. Le vin était vraiment délicieux, hein. Mais j'ai eu peu de temps pour dormir avant de reprendre la garde avec un terrible mal de tête. Ce qui fait que j'étais épuisé toute la journée d'hier.
dans les dunes, le 29 août 43, à 5 heures du matin. Je rentre à l'instant de ma première ronde que j'ai entamée tout endormie et au cours de laquelle je me suis vraiment réveillé que lorsque j'ai crié « Cologne !» quand la voix de la sentinelle a demandé le mot de passe à travers la tempête. Je progresse péniblement à travers les dunes et je vois sous mes pieds, sourdre du sable mouillé, un sable blanc et sec, à la fois clair et brillant, de sorte que mon chemin s'illumine pas à pas comme une trace mystérieuse. Puis, je plonge dans l'obscurité moite des bunkers qui, après la belle clarté fraîche du monde alentour, s'abat comme un spectre cauchemardesque sur les poumons, le cœur et le cerveau. Ensuite, c'est toujours la même chose. En tournant le commutateur, tu aperçois la rangée de lits superposés, très resserrés, séparés par des couloirs étroits, où reposent les unes au-dessus des autres de misérables silhouettes grises, méconnaissables, en uniforme même quand elles dorment, enveloppées dans leur couverture sombre. Il me faut chaque fois saisir ces tas informes et les secouer. Certains roulent sur l'épaule et me tournent le dos jusqu'à ce qu'enfin ils se réveillent et souvent, au bout de longues disputes, daignent se lever. Crois-moi, on pourrait écrire une véritable psychologie basée uniquement sur l'observation du comportement et des gestes des hommes au moment de leur réveil. Ce sont, au fond, des gamins qui se cachent juste sous leur couverture, refusent de voir la vie telle qu'elle est, replongent tout simplement dans leurs songes, dans ce sommeil si merveilleusement doux où l'on repousse la réalité comme un mauvais rêve. Ces mômes finissent quand même par se lever, après une lutte acharnée, et ils s'habillent avec une résignation timide où se lie tout le chagrin du monde. Et puis, il y a les vieux soldats, raisonnables et réalistes qui disent oui aussitôt qu'on les touche, allument leur pipe ou leur cigarette pour tirer encore quelques bouffées paisibles sous leur couverture chaude, qui se lèvent ensuite pour prendre leur poste pile à l'heure. Eux non plus ne sont pas dépourvus de tristesse, mais leur résignation, elle ne s'applique plus à l'instant qui passe, mais à l'horreur générale de la guerre. Ils sont déjà un peu au-dessus de tout cela. Il y a aussi des fanatiques passionnés qui se lèvent le visage lugubre et résolu, qu'on pourrait se représenter rouge et flamboyant dans la lueur des torches de la Révolution. Il y a des affamés qui s'attaquent aussitôt à la grosse miche de pain du soldat, fatigués et tristes eux aussi. Il y a ceux qui sont avides, les tricheurs, qui se lèvent puis se recouchent dès que tu as le dos tourné et se rendorment sans penser aux pauvres types dehors qui attendent. Et ils mentiront effrontément le lendemain en prétendant qu'on ne les avait pas réveillés. Il y a ceux, enfin, qui sont complètement désespérés, qui enfilent leurs bottes totalement déprimées et sortent prendre leur poste le visage sombre. Avec ceux-là, tu ne peux pas échanger un mot si tu te trouves à leur côté, tant ils sont figés dans leur amertume désolée. Je crois qu'on peut voir, entendre et vivre beaucoup de choses si on n'est pas toujours fatigué. 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 Le 8 septembre 43 à la Molière d'Aval. On attend les Anglais d'une heure à l'autre. Il se passe clairement quelque chose. Aujourd'hui déjà, il n'y a pas eu de courrier. Peut-être sommes-nous à la veille de tristes événements. Soyons forts, prions et espérons. Je me trouve dans une disposition étrange, remplie d'attente et de sérieux, mais aussi plein d'espoir. Au milieu de nos préparatifs, la nouvelle de la capitulation d'Italie nous est parvenue.
Nous sommes très abattus. Nous passerons cette nuit dehors, dans nos trous. Peut-être n'est-ce qu'une fausse alerte. Nous entendons très loin le tonnerre de l'artillerie et le grondement sourd des bombes qui tombent vers Boulogne. Qui sait ce que Dieu nous réserve ? Le 12 septembre 43. Dimanche. Cet après-midi, juste à la fin du service, j'ai reçu du bureau un coup de téléphone lourd de conséquences, m'expliquant qu'en raison de mon année de naissance, je serais muté dans une unité partant pour la Russie. J'ai donc ramassé mon énorme barda, ficelé, tout en sueur, des paquets remplis de choses auxquelles il faudra renoncer parce que je ne sais pas où les mettre, et lorsque tout fut prêt, on m'a fait savoir que je ne serais finalement pas muté et qu'un autre, encore plus jeune que moi, et qui veut rester avec ses camarades du même âge, aurait pris ma place. Mais j'attends maintenant à ce que mon tour arrive. Le 12 octobre 43, à Isangremer. Le fatalisme. Le fatalisme. Mais cette indolence indéracinable des Français, mais c'est vraiment quelque chose d'irritant. La ferme est tellement sale qu'on tient à peine avec toutes ces mouches dans notre piaule, et cela en plein mois d'octobre. Les étables n'ont sans doute pas été nettoyées depuis 3 ans. On repousse la saleté d'un simple coup de balai vers l'extérieur où elle se mêle progressivement à celle de la cour. Les étables, mais sont véritablement délabrées. Et manque souvent de s'écrouler, alors que le paysan semble aisé, a plusieurs fils costauds. C'est pourtant un pays formidable, avec beaucoup de possibilités. Les petits-enfants, en blouse crasseuse, jouent dans la cour, refusent tout simplement d'obéir, sans être punis, pour autant, et réussissent avec des mines très coquines le tour de force de ramener un sourire sur le visage grondeur et épuisé de la mère. Au total, on dirait que la France n'a plus de cap, qu'elle n'a même plus de direction claire vers le déclin. Il faut dire que le régime politique est peu réjouissant. À dire vrai, il n'y a plus d'autre issue pour la population que de faire une révolution. Et celle-ci est rendue impossible par notre présence. Une situation bien, bien désagréable. Comme au début de la guerre, Beul tente d'obtenir un congé pour études qui lui permettrait d'échapper à ses obligations militaires. Mais l'armée n'accorde ces congés qu'aux étudiants en médecine, en technologie et en sciences. 27 octobre 43, à Isangremer. Ça a été une journée dure pour moi aujourd'hui. En fait, pour nous deux, une journée très dure et amère. Mon congé d'études a été entièrement rejeté. Demain, notre grand voyage commence pour de bon. Nous disposons pour notre marche d'une quantité inquiétante de ravitaillement, avec cependant la consolation qu'on recevra du courrier tout au long de la route. Tu peux t'imaginer comme cela m'a profondément réconforté. Un attentat contre son convoi quittant la France pour le front de l'Est sonne comme un mauvais présage. Beul est légèrement blessé à la main. 6 novembre 43. Nous avons franchi la frontière russe depuis longtemps. Et nous avançons lentement, apparemment sans plan et sans but.
La Russie est d'une tristesse ineffable, d'une immensité incroyable et démoniaque. Un pays sans clôture, littéralement sans clôture, à l'inverse de la France, où chaque petit bout de terrain est entouré de murs. À la mi-novembre, l'unité d'Heinrich Böll se déplace vers la Crimée. 15 novembre 1943. Nous sommes terrés au bord d'un immense champ de tournesol dont il ne subsiste que les tiges nues de l'automne, pilonnées des deux côtés par l'artillerie et labourées en tous sens par les chenilles des chars. Une terre épaisse, lourde et noire comme de la poix, dans laquelle nous peinons à creuser nos trous. La terre, c'est bien elle qui est l'élément premier de l'infanterie. En dépit de son admiration pour Dostoïevski, Böll se sent plus que jamais un homme de l'Occident. Et il redoute plus que tout l'invasion bolchévique et une défaite allemande inéluctable. Après 3 mois de convalescence au printemps 1944, Böll est renvoyé au combat en Roumanie, puis à nouveau blessé au dos, il est replié en Hongrie, puis en Lorraine. Pour retarder son renvoi en première ligne, il ne cesse de fausser ses examens de santé. Il ne verra plus le front de l'Est. En novembre 1944, il apprend la mort de sa mère, frappée par une crise cardiaque lors d'un bombardement. Avec son frère Aloïs qui a déserté, il décide de vivre reclus, écoutant la BBC en escomptant l'issue prochaine de la guerre. Le 9 avril 1945, il sera enfin capturé par les Américains 3 semaines avant le suicide d'Hitler et libéré le 15 septembre 1945. Entre-temps, son premier enfant est né. À bientôt 28 ans, Heinrich Böll peut enfin mener la vie d'écrivain dont il a tant rêvé. Ses premiers romans, Le train était à l'heure, 49, et Où était Adam, 51, seront directement inspirés de son expérience de soldat. Il saura par la suite s'en affranchir et son œuvre littéraire sera récompensée par le prix Nobel en 72. Pacifiste convaincu, il militera sans relâche jusqu'à sa mort en 85. Il militera contre le réarmement et deviendra l'une des figures intellectuelles de gauche les plus engagées de l'après-guerre en Allemagne. Le 5 juin 1944, Böll avait écrit « Je connais maintenant la guerre. Je la connais sous tous ses angles. Et je te le dis, ne crois rien de ce qu'on imprime ou de ce qu'on a imprimé à son propos, à moins que cela ne parle des souffrances des soldats, de la souffrance véritable. L'humour et la plaisanterie, tout ce bavardage idiot et criminel des journaux n'a pas sa place là-dedans. Vraiment, je t'en supplie. Ne crois rien de tout cela.